Terminons cette première semaine avec une suggestion de 10 résolutions pour la nouvelle année. Cet exercice peut faire sourire, on dit qu'il y a autant de gens qui croient au Père Noël qu'à une résolution du Nouvel An tenue. Par exemple, il est toujours fascinant d'observer tous ces gens inspirés de bonnes intentions faisant la file à l'inscription au centre d'entraînement au tout début du mois de janvier. Pourtant, si plusieurs abandonnent leurs bonnes intentions, certains arrivent à tenir leur engagement. Et changer réellement leur comportement tel qu'ils le souhaitaient. En ce sens, le jeu des résolutions de la nouvelle année en matière de finances personnelles illustre parfaitement son principal défi. Sans action concrète, pas de changement à espérer quant aux résultats. Résolution numéro 10. Suivez ce MOOC jusqu'à la fin. Durant les prochaines semaines, vous aurez l'opportunité d'étoffer votre propre guide d'autodéfense en littératie financière et fiscale. À mon avis, cela est essentiel à l'heure où les mirages de la consommation se dissipent et la réalité de l'épargne s'installe. Profitez de cette communauté collaborative pour tout simplement en apprendre davantage. Résolution numéro 9. Effectuez le suivi de vos dépenses et revenus sur les deux premiers mois de l'année. Rien de mieux après l'apothéose des achats du temps des fêtes que de se doter d'une petite dose de réalisme. Comparez vos dépenses et vos revenus pour le mois de janvier et février. Dressez-en votre propre constat en n'oubliant pas que ces mois sont souvent en réaction avec les grandes dépenses de fin d'année et sont ainsi plus restreintes. Résolution numéro 8. Vous n'arrivez pas à épargner Établissez un plan de réduction des dépenses mensuelles totalisant 5% de vos revenus nets. Disons que vous êtes un couple et que vous gagnez chacun 60 000 par année. Après impôts, votre revenu net est d'environ 45 000 par année. Donc, 7 500 par mois pour le couple. Il faut alors trouver 375 par mois en réduction de dépenses. Cette mathématique permet de rendre l'objectif plus concret tout en respectant un ordre de grandeur qui est réaliste. Tout le monde devrait être capable, s'il en est motivé, de réduire ses dépenses d'un tel montant. Laissant place ainsi, dans notre exemple, à un montant de 4 500 d'épargne par année. Bien sûr, il demeure que la difficulté n'est pas le calcul, mais bien les actions qui seront entreprises pour atteindre la cible d'épargne. Nous en reparlerons à la prochaine résolution. Résolution numéro 7. Lancer un défi d'épargne. Maintenant que nous avons une idée de nos dépenses mensuelles, résolution 9, et que nous avons fixé la cible de la réduction mensuelle de dépenses, résolution 8, il faut définir les actions qui vous permettront d'atteindre cette cible. Rien de mieux que de lancer un défi d'épargne à son conjoint, à ses ados ou à un ami pour y arriver. Les opportunités sont aussi nombreuses que les dépenses. Par exemple, notre couple qui avait pour objectif une réduction mensuelle de 375 dollars de ses dépenses pourrait analyser ses déboursés d'alimentation, incluant l'alcool et les restaurants. L'analyse démontre que Ses dépenses se sifflent à 1000 000 En modifiant quelques comportements, achat de café à chaque jour, lunch plutôt que restaurant, épicerie un peu moins fine, garnir son inventaire SAQ lors des promotions, le couple pourra réduire cette dépense à 800 Pour s'assurer de l'atteinte de cet objectif, le couple pourra effectuer l'ensemble de ses déboursés avec une carte débit. Il pourra ainsi consigner les relevés dans une enveloppe et s'assurer ainsi de respecter l'objectif de 800 dollars de dépenses par mois. Par ailleurs, les ados pourraient être sensibilisés au coût de l'électricité par un défi où les économies pourraient être partagées à part égale. Toute la facturation d'Hydro-Québec se prête à ce type de jeu par le tableau des consommations antérieures sur 365 jours. Si les ados argumentent à l'effet qu'il faudra tenir compte des facteurs sur lesquels ils n'ont pas de contrôle, telles les augmentations de tarification à un hiver particulièrement rigoureux, vous aurez du même coup développé chez eux des qualités argumentaires qui leur seront utiles plus tard, au risque pour vous d'en subir les conséquences au quotidien. Résolution numéro 6. Ouvrez un CELI ou un régime enregistré d'épargne études pour y déposer à chaque mois le fruit de vos nouvelles épargnes. Nous discuterons plus en détail de ces abris fiscaux au cours des prochaines semaines. Résolution numéro 5. Effectuer le paiement de l'hypothèque aux deux semaines. Le paiement aux deux semaines permet d'effectuer 26 versements par année au lieu de 24, si on les fait deux fois par mois. Mine de rien, ces deux paiements supplémentaires contribuent à retrancher quatre ans au règlement d'une hypothèque de 200 000 amortie sur 30 ans, prêt conventionnel seulement, qui peut être amorti sur 30 ans, à un taux de 4,5 il faut bien comprendre que ce remboursement anticipé est un choix valable dans la mesure où les autres dettes plus coûteuses du ménage sont déjà entièrement acquittées. Résolution numéro 4 Magasinez vos fournisseurs de services. Regroupez les services. Vous êtes un bon client Faites-le savoir à vos différents fournisseurs de services assurance auto et habitation, téléphonie, câble, Internet, frais bancaires. Appelez-les et informez-les que des compétiteurs vous font de l'œil. Demandez-leur de quelle façon ils pourraient réduire vos frais. Assurez-vous que vos forfaits sont adaptés à vos besoins et ceux de votre famille. Cela est particulièrement vrai alors que la technologie apporte beaucoup de changements à nos habitudes. Dois-je finalement payer à la fois pour le câble et Internet, pour la téléphonie mobile et le résidentiel? Posez-vous la question. Résolution numéro 3. Reporter de 72 heures les achats impulsifs. Vous avez eu une mauvaise journée au bureau et vous apercevez à travers la vitrine, embuée du magasin, la guitare de vos rêves, une Fender Telecaster identique à celle de Springsteen sous la pochette Born to Run. Fuyez, reconsidérez la chose après réflexion. Laissez passer 72 heures. Résolution numéro 2 planifiez vos grands achats, par exemple l'achat d'une maison est l'une des décisions financières la plus importante que la majorité des gens feront dans leur vie. Trop souvent, ce type d'acquisition n'a pas fait l'objet de questionnements et d'analyses en profondeur sur une longue période. Pourtant, les conséquences sont considérables. Une maison acquise à trop fort prix, dans un état nécessitant beaucoup de dépenses non anticipées ou simplement au-delà de nos réels besoins, nous fera perdre des dizaines de milliers de dollars l'achat devrait être planifié sur plusieurs années, même si cela veut dire demeurer plus longtemps locataire. Résolution numéro 1. effectuer un suivi de la situation financière par l'équation du bilan. S'il vous est pour l'instant impossible d'adhérer à une démarche budgétaire parce que vous trouvez la chose tout simplement trop lourde, vous pouvez à tout le moins dresser un premier diagnostic de vos finances personnelles en comparant vos bilans personnels en début et en fin d'année. Comme nous en avons discuté dans la capsule portant sur les outils de contrôle financier, cet exercice peut se faire facilement en un après-midi. Pourquoi ne pas le faire maintenant?